Bonjour, c'est Tiltino, bienvenue pour l'épisode numéro 2 de Emily Wants to Play. Je déteste ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais, faut le finir. Je ne sais pas pendant combien de temps durera la vidéo, parce que potentiellement, il va falloir que je bouge bientôt. C'est pas encore. Donc, voilà. J'ai pas de musique. Evil Within est un conte de fées à côté de ce jeu. Evil Within est un superbe jeu, mais n'a rien de... Il ne fait pas peur en soi, quoi. C'est juste un jeu très dérangé, quoi. Ok. Alors, si je me rappelle bien... Ça c'est fait. Je me dirais si le son est correct. Ça semble effrayant. C'est effrayant, Jesse. C'est très effrayant. Donc, il faut que je me rappelle. Avec Chester... Il faut que je me rappelle comment ça marche. Merci, Atrox. J'ai déjà fait le premier Five Nights at Freddy's Weddon. Il est sur la chaîne YouTube, mais je l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini. Je me rappelle plus. Ah mais non, il y a une lampe, c'est vrai. Ah, il faut que je trouve Emily qui est cachée. Donc c'est la dernière phase en fait. Pour vous expliquer ceux qui connaissent pas en fait. Ça va me rappeler comme ça le... Ça va... Je vais me remémorer un petit peu le truc. Il faut que je trouve... Ok, il y a plusieurs phases. À chaque fois, on découvre un jouet. Putain. Chaque fois, on découvre un jouet. Et chaque jouet, il faut l'esquiver d'une façon particulière, en fait. Et la dernière phase, là où on est... Faut pas que je bouge. Ah putain, je bouge. Donc je continue l'explication. La dernière phase, c'est tous les joueurs en même temps. Donc quand il y a le clown, il faut pas bouger. Quand il y a Chester, il faut courir loin de lui. Quand il y a la poupée, qui s'appelle Rosie, je crois. Il faut la regarder. Et tout ça en trouvant... Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planté. Je me suis planté. Non, non. Adrien, merci beaucoup pour le flow. Bienvenue ici, bienvenue chez les Kilons. Titi, la poupée exacte. Donc, la dernière phase, a priori c'est la dernière, il faut trouver, voilà, Emily qui est là, elle joue à cache-cache en fait. Ok, donc je vais... Ok. Elle est là. Donc ça c'est Kiki, il faut la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je peux bouger, mais il faut que je la regarde. Le clown qu'on a entendu tout à l'heure, il faut pas que je bouge du tout. Chester, c'est une petite poupée qui va me courir dessus, ou que je parte loin loin. Des fois, il y a les combos, elles arrivent en même temps. Et le timer qui est là, c'est le temps que j'ai pour trouver Emily avant qu'elle me trouve. Oh putain. Ok. T'aimais la réaction que j'ai face au clown? Quand tu veux bien un son. Ah. Mon son plus fort et moins celui du jeu. Je vais baisser le son du jeu.
Et donc, en fait, la dernière fois... Je sais plus ce qui s'était passé là. La dernière fois, on était arrivé jusque-là, en fait. Mais j'avais essayé pendant... Je sais pas, 2h30, je crois. De passer cette dernière phase, en fait. Cette phase-là est super lourde. Super lourde. En fait, là, ce que je vais essayer de faire... Okay. Merde. Oh, oh, oh. Voilà. Et je sais pas, a priori... Il faut que... Ouais, il faut que je la trouve pendant, je sais pas, quelques minutes. Pas de safe. Peut-être que je me barre. La dernière fois, j'avais trouvé une tactique. C'est cool, là, Weddon, ok. Y'a pas de souci. Je crois que ça puisse être stressant. On la voit mal, hein, là. Qui, là? Non! Ah, le combo! Re-blatty. Le combo Chester plus le clown, c'est pas germe quoi. Et j'avais débloqué le passage secret effectivement. Lucas, merci pour le follow. Merci, merci, merci. Okay. On va pas descendre, on va pas descendre maintenant. Ça sert à rien de descendre là. Oh, foiré. Non, non, il est là. Non, non. Cardiaque, je suis désolé, Flo. Alors, tu peux réexpliquer les jouets, clown pas bouger, Chester, etc. Regarde, je t'explique ça de suite. Eh, ça nous fait combien? Dans 2 followers, on fait un giveaway, les gens. Attention. Alors, je réexplique les jouets. Donc, tu as. Ça, c'est Kiki. Je présente Kiki. Kiki, elle apparaît. Tu vas entendre un petit rire. Et en fait, il faut la fixer. Si tu ne la fixes pas, elle va te tuer, quoi. Et tu peux aussi te barrer et changer de pièce, en fait. C'est possibilité. Tu peux bouger, mais il faut la fixer. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ensuite, tu as le clown. Le clown, il fait... Oh, 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 oh. Il faut absolument ne pas bouger. C'est pour ça que je lâche tout. Jusqu'à ce qu'il fasse qu'il a l'air déçu, il a l'air déçu, il fait oh là c'est bon, on peut rebouger. Voilà, là j'ai bougé parce que il y avait Kiki, mais elle est dans l'autre pièce en fait. On va attendre un peu. Et tu as Chester, c'est le pantin qui va, tu vas entendre un rire, hein. Comme ça, je le fais très mal. Et il va te courir dessus et il faut partir le plus loin possible de lui. Mais il bug à moitié, des fois il... Oh, sérieusement ? Voilà. Oh putain ! Je l'ai cliqué avant. Oh non ! Voilà, et en fait, il faut... Aïe, je le sens pas. Voilà, il faut que je touche Emily. C'est du cache-cache avec Emily, en fait. Donc je... Oh, fuck.
Fuck. Je trouve Emily avant la fin du temps, en fait. Elle était là, la Kiki, là. Elle était là. Ah, putain. Elle est là. On la voit dans le fond, là. Ok. Désolé, je parle mal le français. Hey, Jessie, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est déjà super cool que tu fasses l'effort de parler français. I'm gonna say that in English, then. Just in case. There's no... There's absolutely no problem if you're French. Your French is very good. There's no problem, so don't worry about your French. Speak French, speak English, do whatever. There's no problem. But yeah, it's nice. Je jouerai jamais ce jeu sur une Christian Dax si j'y joue. Non mais il est... En fait, tu t'y fais, au bout d'un moment, c'est plus agaçant que flippant, en fait. Parce que là, au final, tu te rends compte que le jeu triche. Donc le jeu triche... Enfin, c'est complètement random, en fait. C'est du gros, gros random. Et imagine si t'as Chester plus le clone qui arrive en même temps, il faut que tu t'arrêtes de bouger et que tu t'éloignes de Chester, c'est pas possible. Un mazo, ouais, on m'a souvent dit ça. On m'a souvent dit que j'étais un mazo. Souvent dit ça. Et à minuit, ouais. Minuit, c'est quoi? C'est juste une heure? C'est une heure, ouais. Du minuit. Alors là, le problème, c'est que je sais pas si elle était là. T'es là. Le clown. Elle est là, Kiki. Dégage, Kiki, putain. Je trouve Emily, là. Je trouve Emily, il me reste 30 secondes. Ah, super. Ah, voilà. Kiki. Voilà. Voilà. Putain. Oh là là. Ça pue, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Ah, je suis mort. Et puis c'est la porte qui se ferme, bien sûr. Allez là. J'ai réussi. Elle s'est juste rapprochée. Coucou Jeff. Question, ce jeu est-il bien? Il faut faire quoi? Je vais le réexpliquer, Jeff. Ce jeu est intéressant. On ne peut pas dire qu'il est bien. Dire qu'il est intéressant. La mécanique est vachement intéressante. T'as plusieurs phases de jeu. Là, on a la dernière. La dernière phase de jeu. Et en fait, tu dois avoir 5 phases, je crois. Chaque phase, tu découvres un jouet. Genre le clown, là. Où il ne faut pas bouger. Si tu bouges, t'as perdu. Voilà. Il y a Kiki. Oh putain. Voilà, donc on a eu Chester, où il faut courir le plus loin possible de lui, pour pas qu'il te touche. Et Kiki, il faut la fixer. Donc en gros, voilà. Et là, il faut que je joue à chat, en fait, à cache-cache avec Emily. Donc c'est ça le but, en fait. C'est de... La dernière phase, t'as tout en même temps. Et c'est de réussir à tenir le plus longtemps possible. J'imagine qu'à bout d'un moment, il y a... Je sais pas combien de temps, il nous avait dit DJ Boucherie, je crois. En même temps, c'était Max. Donc voilà, en gros, Jeff. Et je dirais que si tu aimes les... En fait, je pense que le jeu est pas intéressant. Hors stream, en fait. Je pense que c'est intéressant à stream. Puis ça fait marrer aussi de voir le streamer qui sursaute. Mais, sorti de ça, je pense pas que ça soit un jeu très fun, en fait. Comment tu sais qu'est-ce qu'il faut faire devant les jouets? Bah, tu l'apprends au fur et à mesure, en fait. À chaque phase... Ah, putain. À chaque phase, tu apprends ce que fait chaque jouet.
À tes dépens. Hein. Parce qu'au début, la première phase, c'est Kiki. T'as aucune idée de ce qu'il faut faire, quoi. Des fois, elle est là, elle te chope. Des fois, elle te chope pas. Tu comprends pas. Donc, ça dépend vraiment. Je sens que Kiki va faire des cauchemars. Tiens, elle est là. Elle est là, Kiki. On va attendre un peu. Je viens de faire Layers of Fear, du coup je regarde pour des jeux du même style. Layers of Fear est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un scénario en fait. Oh putain. Ce jeu-là n'a pas de scénario. Merde! Ce jeu-là n'a aucun scénario. C'est juste une suite de mécaniques en fait. Ça démontre des choses en fait. Ça fait penser à une démo technique en fait de plusieurs mécaniques de jeu. Qui pourrait être intéressante à mettre, à implémenter dans un jeu, en fait. Dans un vrai jeu avec un scénario, etc. Mais là, pour l'instant, dans l'état dans lequel le jeu est, et je pense pas que ce soit un early access, hein, et il est pas intéressant, quoi. Oh, fuck. You, Alexanders. Ça va bien, ouais. Allez. Mais Layers of Fear. On l'a fait d'ailleurs, on a fait en version Early Access et on va le continuer parce que ils ont sorti la dernière version. Putain. Ils ont sorti la dernière version. Fuck. Oh, je suis mort. Et ça bouge tout seul. Je suis mort, si elle est... Putain. Ah, oh, je suis mort. Ah. Et voilà, et quand t'as le clown qui apparaît alors qu'il y a le temps, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Imaginez qu'ils nous mettent ces poupées de clown dans le Walking Dead. Ouais, pourquoi pas. Hein? Ma gueule, t'es où? T'es là, putain, connasse. Ah mec, je fais quoi là? Je suis obligé d'attendre. Vous faites des bons, les gens. Ça a l'air pas mal quand même, mais je déconcentre. Tu es un peu, mais t'inquiète. Je suis là aussi pour discuter avec vous. Donc, par contre, le truc, je redis, hein, c'est que d'un moment à l'autre, ma femme peut m'appeler. Non, le stream se stoppe. Tu saoules le clown. Déjà? Eh? Donc, c'est possible que je dois arrêter à un moment ou à un autre. Et en fait, si j'étais pas si persévérant, je pense que je l'aurais arrêté le jeu parce que. C'est chiant, mais j'aimerais bien le finir parce que c'est la dernière phase en fait. Mon dieu! Merci beaucoup, Jeff! Merci beaucoup pour le follow, Jeff. Ça fait plaisir. On est à combien, là, du coup? 889? Encore un follow et on fait un giveaway, les gens. Allez. Oh, putain. Putain, il faut que je me casse. Oh, non. Oh, puis les trois en même temps, tiens. Ah, il est finissable. Il est finissable, le jeu, mais Michoko. Mais faut avoir du bol, être concentré. Et je pense qu'il y a une technique aussi à avoir qui est de changer de pièce tout le temps, en fait. C'est du 1, 2, 3 soleil, Twist, hein, de toute façon, tiens le clown. Bah après, Jeff, si ça te plaît... Oh, putain. Oh, tu te fous de ma gueule.
S'il te plaît, vas-y, hein. Mais encore une fois, il n'y a pas de scénar. Une fois que t'as fini les 5 phases, bah, y a rien d'autre. Mais il est pas cher. Il est pas cher du tout, donc. Tiens, salut. Je sais pas où elle était, Kiki. Je le sens pas. Je le sens pas. Donc en fait, ce que m'avait expliqué un DJ Boucherie, je crois, qui était venu ici, c'est que faut essayer de tourner jusque. Il faut trouver Emily. Et une fois qu'on a trouvé Emily, savoir qu'elle est là. Putain. Il faut. Je me bloque, là, je me bloque. Oh putain. Là, comment je savais qu'elle allait être là, Kiki, quoi? Hein? Comment je savais? Comment je peux savoir? Ah là là! Bah oui, le jeu triche, c'est ça. C'est ça. Donc c'est finissable, mais faut avoir du bol, quoi. Du bol. Et Jeff, peut-être attends qu'il soit en promo. Si t'aimes bien les jeux style Layers of Fear, est-ce que t'as joué à Outlast? À Outlast, moi, m'avait bien plu. Putain. Il est bien flippant. Ah, sérieux? Comment je pouvais savoir que Chester allait être là, pareil? C'est agaçant. Donc voilà, en tout cas, je veux le finir. Je veux le finir, ce jeu. C'est juste. Super frustrant. Et on peut pas passer ça aussi. Pas passer. C'était bien si la technique de partir quand il y a Kiki, ça marchait pas mal. Ouais, c'est clair, Pomme. Et tu vois qu'elle te rejoint au bout d'un moment, quoi. Là, je pars. Mais il faut que je me dépêche. J'ai l'impression qu'elle suit super vite. Oh putain! Tu vois, elle suit super vite sous le passage secret là. C'est Outlast, Jeff. Il y a un DLC en plus. Si tu veux voir ce que ça donne, je l'ai sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller voir. Il y a tous les épisodes. Regardez le premier et te faire une idée comme ça. Je vais mettre en route demain un manque de slip. J'y ai joué à Among the Sleep, il est pas mal, mais il fait pas spécialement peur en fait, hein, Jeff, je te préviens. Among the Sleep, c'est pas un jumpscare particulièrement. C'est un jeu un peu dérangé, quoi. Ferme-moi les portes, je suis. Oh, sérieux? Yes. Il est pas sorti. Oh non, 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 non! T'as pu te retourner vite fait quand t'as entendu le clown, mais tendu. Bah oui. C'est un livreur de pizza. Il fait juste son boulot. Bah là, son boulot, c'est d'essayer de pas crever, en fait. De base, qui décide de jouer au calme, à cache-cache avec un fantôme, essaie de jouer possédé. Ça aurait full feu cette baraque pour la gloire de Satan. Si je pouvais. La porte est là, en fait. Là. Pas sortir. Pas sortir. Voilà, le combo parfait. Je dois partir parce qu'il y a Chester qui me fonce dessus, mais faut pas que je bouge parce qu'il y a le clown. Ah là là.
Atlas c'est super bien. Atlas, j'ai pris mon pied. Hein. J'ai pris mon pied, c'est super bien à stream aussi. J'ai fait le DLC. Oui, Atrox. Un tricheur. Ah, il a été programmé pour que ces phases-là soient aléatoires en fait. Pour que les jouets balancent de façon aléatoire. Je comprends pas comment c'est possible au final d'avoir la combo Chester-Clown. Putain! J'ai bougé! Faut que tu trouves combien de fois Emily pour finir cette phase. Je n'en sais rien, Blacky. A priori, c'est du temps. A priori, il faut que. C'est pas un nombre de fois en fait. C'est vraiment. Il faut que je reste en vie assez longtemps en fait. Et je sais plus. Il avait dit 3 minutes ou. C'est moi qui suis plus blanc que d'habitude. Regarde. Tant que je suis pas aussi blanc que ça. Là. Ça, c'est que ça va. Je vais mal programmer. Tout à fait. Ouais. Ils auraient dû faire en sorte de corriger ces trucs frustrants en fait. Mais bon, c'est ce qui donne la durée de vie j'imagine aussi. Et après encore une fois, hein, je vois pas ça comme un jeu en fait. Je vois ça comme une démo technique. Allez, là. Ah mais là je fais comment tu vois? Si Kiki est là. Je peux pas genre sortir de l'autre côté en fait. Les grandes pièces qui font chier en fait. Vas-y, ferme la porte, exactement. Elle est toujours là. Hein. Mm-hmm. Oh, elle est où Emily là? Elle est pas là. Ça veut dire qu'elle est dans le passage secret. Oh chiot. Sérieux. Je sais pas où elle est. Elle doit être dans le passage secret, c'est obligé. 15 secondes. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Il est par où lui? Parce qu'à chaque fois qu'il a le clown, il arrête de bouger. Allez, comme si je pouvais le voir. Ah, mais j'ai fait ça, moi. C'est juste qu'en fait, ma souris est là. Elle est sur une tablette qui bouge. Donc, si je laisse la main dessus, ça va bouger, en fait. Ne faites pas de crise cardiaque, les gens. Pas de crise cardiaque. Oh, les... Mais non. Tu peux jouer à la manette ou pas? C'est une bonne question. Je m'appelle Emily Scary. Je te dirai ça après Jeff. Elle est pas gentille du tout. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Kiki! Moi si. Je sais pas qui je déteste le plus. Je crois que c'est Kiki que je déteste le plus en fait. Va-t'en. J'ai failli me... Ah non, que dalle, que dalle. Que dalle. Que dalle. Elle est là. Ah. Elle est où?
Elle est où? Elle est où? Elle est là! Oh, putain, je l'avais pas vue derrière la table, quoi. Oh là là. Je vais opter pour Atlas. Ben cool. Ah, très très bon jeu, Atlas, tu verras. Ok. Voilà. Voilà. Et au bout d'un moment, tu sais où Emily peut apparaître en fait. Exactement où. Chiotte. Qui va être obligé de s'enfiler 3 saisons de Teletubbies pour se remettre. Probablement, probablement. Bon, j'ai 20 secondes. Dégage, Kiki. Dégage, Kiki. Dégage, Kiki. Putain. Oh, je le sens pas, là. Oh, fuck. Allez, là-bas. Elle est là-bas. Elle est là. Elle est là, elle est là. 5 secondes. 4, 3, 2... Elle est là. On sait où elle est. Donc là, je vais tourner en fait. Elle est où, Kiki? Elle est à gauche, là? Oh! Elle était à droite. Ça dit pas que tu peux jouer avec le joypad. Les options sont assez restreintes, Jeff. Putain. Je le sentais bien ce run-là en fait. Je le sentais bien. Là tu transposes les Teletubbies dans Billy Woods, s'il te plaît, Laura, absolument. Mais voilà, en fait, ça me fait penser à Five Nights at Freddy's. En fait, c'est ça en fait. C'est juste savoir quoi faire au bon moment. Et je pense que Emily, ils ont voulu faire le même genre. En fait. Oh, sérieux, Chester? L'ascenseur émotionnel en train de pleurer, le rire de fois qui sursaute. Ah, putain. Ok. Ferme-toi la porte. Hein? Putain, elle est pas là. Elle est où? Elle est où? Faut que je passe par le passage secret. Ah, oh, je vais me faire choper à cause de Kiki. Je vais me faire choper à cause de Kiki. Je me fais choper à cause de Kiki. Je me fais choper à cause de Kiki. Oh non, 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 je peux pas, j'ai pas le temps. Le temps, c'est le temps que j'ai pour trouver Emily, en fait, qui joue à cache-cache avec moi, Jeff. Donc il faut que je la chope à chaque fois avant la fin du temps.
Ah, Joy to Key pour jouer à la manette, exactement. Oh là là. Donc Emily est là. Elle est là. Donc on va tourner. Restez pas trop loin d'elle. Oh oh oh. Ouais, c'est bon. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais resté dans le... Je me suis arrêté bah, là où il y avait une porte. La porte s'est refermée sur moi, le jeu a considéré que j'avais bougé. Et le clown m'a chopé. C'est... Et je... Je suis trop une tête de mule en fait. Là ça m'amuse plus en fait. C'est vraiment je veux le finir quoi. Voilà. Je sens qu'il y a Kiki dans le coin là. Oh sérieux. Putain, j'ai cru que j'avais bougé quoi. C'est un 1, 2, 3 soleil creepy, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que Chester sait ouvrir les portes? Oui. Ouais. Oh, salut Kiki, ça va? Ah, Chester sait ouvrir les portes, y'a pas de soucis. Secondes. Il faut que je reste zen. Eh le son, ça arrête. Et Kiki disparaît. Ah, elle est là aussi. Je la garde en vue. Ouais, je reste dans la porte, en fait. Ça va être chiant, sinon. S'il y a Chester qui vient, je cours devant. S'il y a Chester qui vient devant, je cours à gauche. Si le clown qui arrive, je bouge pas. Je suis dans la porte. Ça va être bon. Ok. Je vais attendre le dernier moment, c'est ça en fait, Twista. C'est drôle. Salut Chester, prends-toi cette porte pour voir. Faut pas que je passe par le passage secret, c'est aussi ça. Il se passe rien là. Il se passe rien. Ok. Ok, 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 ok. Ok, tout va bien, tout va bien. Ok, retrouvons Emily. Oh, sérieux? Tu veux pas venir là? Ok. Ah non, elle est pas là. Fuck! Ok. Oh non, 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 non! Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ok. Le téléplasma là. Ah.
Nom de Dieu, Alexis! Merci beaucoup pour le follow, Alexis. Bienvenue. C'est pas l'annonce qui m'a fait flipper, du coup. Chier. Merci beaucoup pour le follow, Alexis. Ça nous amène à 890, les gens. On va faire un giveaway. Cool, je voulais pas finir la nuit avant sans avoir fait le giveaway. Je vais le lancer maintenant. D'habitude, j'attends que ça s'affiche, mais je pense qu'on est bon, hein. Voilà. Donc, je répète, un giveaway, un jeu, le gagnant va être tiré au sort. Vous allez taper la commande. Et, je sais plus ce que je voulais te dire. Et, voilà. Et il faudra choisir un jeu dans la liste. Des très très bons jeux. Allez, tapez point d'exclamation raffle pour participer au giveaway. Le prochain sera à. On pas. Eh ben, 900. Prochain giveaway, 900. On a dit. Alexis qui nous a mis la nuit 199. Ok. Allez, point d'exclamation raffle, RAFFLE si vous voulez participer. C'est gratuit! Et je vais me reconcentrer. Je tirerai au sort. Je tirerai au sort dans 3 runs. Ok? Dans 3 runs. Ok. C'est bien qu'il a fini en 4-1. Bah après. Si t'as du bol et que tu connais tout du le début, tu peux le finir en une demi-heure en fait, hein, cheerleader. Tu peux le finir en une demi-heure à mon avis. Faut juste avoir du bol et déjà connaître le principe. Parce qu'on a perdu énormément de temps au début parce qu'on comprenait pas ce qu'il fallait faire, quoi. Ce qui est logique. Genre. Bon, je sais pas quand je tirerai au sort en fait. Donc je compte finir le jeu des prochains runs. Metal Gear Solid 5. Non mais je m'en fous de Metal Gear Cheerleader. Je parlais de des milliers. Hein. Désolé, j'avais pas vu que tu parlais d'un autre jeu. Désolé. Coucou Mini Blaireau. Coucou Mini Blaireau, bienvenue. Il y a un raffle en cours, Mini Blaireau, si tu veux taper point d'exclamation raffle RAFFLE pour y participer. Ah, désolé, cœur, hein, je pensais que tu parlais d'Emily. Désolé, je joue un jeu, je ne joue pas un autre. Allez, on se concentre. On va voir si elle est là. Voilà. Dans la cuisine. Là non plus. Là. Putain. Là, il y a Kiki, salope. Kai Kai. Nom de gars. À dire des gros mots. Juste ton live me suffit pas, ça de cadeau, c'est pas Noël. Lol. Mais ça me fait plaisir à moi d'offrir des cadeaux quand je peux. C'est comme tu veux, mais. Oh, putain, elle a bougé. Elle a bougé, genre là! Sérieux! Je pensais pas qu'elle pouvait s'enchaîner comme ça direct. C'est abusé! C'est ultra abusé. Bon, on sait que Emily n'est pas de l'autre côté de la vie déjà.
Oh, 30 secondes. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis sûr qu'il va me balancer un clown. Je suis sûr qu'il va me balancer un clown. Allez. Vas-y, dégage! 35 secondes. Elle peut être là. Elle est pas là, évidemment. Oh putain, voilà, le clown. C'est mort. Si elle est pas dans la salle de bain, c'est qu'elle est au... dans le passage secret et c'est mort. Voilà. C'est mort. Elle arrive. Attention les gars, ça va brailler. Le pire, c'est que des fois, elle trouve pas, quoi. Il y en a aussi où tu dois trouver la clé pour pouvoir sortir et... Si je joue en multi... Ah, on est pas à ça. Il y a Daylight, effectivement. Dead by Daylight, je connais pas. Je connais pas. Sérieux? Désolé, Weddon. Qu'elle crie fort. Elle crie très très fort. Qu'elle est là. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. J'aurais dû pas faire ça. Ça c'est une très, très mauvaise idée que je viens de faire. J'aime pas quand elle est là. Les utilisateurs de casque ont tous avoir connu. En plus, depuis changer de casque, encore pire. Et j'ai limite la pause pour dire bonne nuit les cœurs sur Tcho Smichette. Bonne nuit à toi, Smichette. Dors bien et à samedi plus tard. Putain, j'ai bien vu. Je sentais pas sûr. Non, dégage, dégage, Kiki, dégage. Dégage, dégage. Oh, fuck. Merde. C'est ça. Oh, mais sérieux. Je sais pas d'où elle sort, quoi. Bah, le jeu est super répétitif, Atrox. Hein. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est ultra répétitif, c'est ultra chiant, en fait. Quand t'as pas de bol, quand t'y arrives pas, c'est naze, en fait. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que, franchement, si j'y arrive pas ce soir, je pense que je m'avouerai vaincu. Hein. Je m'avouerai vaincu parce que c'est ultra débile, c'est pas amusant. Là. Okay. Je rentre pas là. Pas rentrer là. On reste ici là. Oh, tu te fous de ma gueule. Enfin, je m'attendais pas à voir Chester. Ah non, tu l'es, Chester, aussi. Au bout d'un moment, c'est juste blasant. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est dommage. C'est ce que je disais. Si ce mécanisme était intégré à un jeu avec scénario, nickel, quoi. Et ça me fait un peu penser comme... Comme Pine View Drive, en fait. Pine View Drive a des mécaniques de jeu qui sont géniales. Génial. Mais il y a un scénario, donc ça va. Par contre... Si tu prends les mécaniques de jeu de Pineview Drive dans une seule pièce, j'exagère. Je parle pas de la mécanique de jeu des clés, hein, mais
plutôt du truc qui fait que... Non, tu te fous de ma gueule. Mécanique du jeu qui fait que... Oh tiens. Bah, ok, elle est apparue trois fois de suite au même endroit. C'est un peu ballot. La porte. Je suis dans la porte. Je rentre en baillant de la porte. Mécanique des jeux dans Pineview qui fait que plus tu bouges la souris vite, plus il va y avoir de choses qui vont t'arriver, etc. etc. en fait. Et ça, c'est super intéressant. Mais sans scénario, encore une fois, voilà, c'est tout. Ouais, gratuit, comme tu dis, Pomme, mais sauf que... Sauf qu'au final... Ah, oh, putain. Sauf qu'au final... T'es où? T'es là. Sauf qu'au final, on s'est fait niquer, parce que on l'a chopé trois fois, en fait. Si c'était un nombre de fois à choper, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Faudrait que j'essaie de voir si elle est pas en même temps. Est-ce que je peux voir? Ah putain, je vois pas de l'autre côté. Genre 20 secondes pour courir de l'autre côté de la baraque. Enfin, pardon, 15 secondes. Ouais. Oh non, 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 bordel, c'est pas juste! C'est pas juste du tout. Je veux bien un chocolat chaud, Belkazim, s'il te plaît. Un chocolat chaud. Donc, je vous annonce que on va continuer le stream pendant au moins une heure. J'ai une heure pour le finir. Une heure pour le finir. En fait, il fait trop chaud ici. C'est nul ici. Voilà. Mon dieu. Je voulais faire genre style. Je fais super peur avec le capuche. Salut. On le voit de près, hein. Ça passe, il va y arriver. Merci, Pomme. Merci pour les encouragements. Oh, sérieux. Et là, je cours où? Je vais mettre... Ça va peut-être me porter chance. Je disais que j'avais trop chaud, je suis très intelligent. Madame Elkinou n'a encore rien dit. Madame Elkinou m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait se coucher. C'est pour ça que... j'ai dit qu'on peut continuer pendant une heure. Un grand max. Parce que... Parce qu'après je bosse demain, donc il faut quand même que j'arrive à dormir un minimum. Ce serait bête que je m'endorme au boulot. Hein. Voilà. Dis-le si je te saoule, on t'en voudra pas. Moi, je m'en voudrais, en fait. J'aime pas rester sur une défaite. Kiki.
J'aime pas rester sur une défaite, surtout pour un jeu à la con. Super lourd. Hein. Merci Twista. Pire, Elkino, tu cheats des jeux qui arrivent pas si mal comme jeu. Ah. Je lui dirai Twista, Madame Elkino. Je lui dirai, je lui passerai le message. Pas si mal, pas si mal. Oh putain. Ah oh, mais il est pas si mal. Oh, sérieux. C'est pas qu'elle va me suivre. Vaut mieux s'endormir au boulot que sur un live. J'ai envie de shotgunner toutes les marionnettes là. Surtout Emily en fait, il doit les contrôler. T'imagines des heures de live d'Elkilou qui s'endormit dans son stream? Eh, Belkazi, je me suis déjà endormi sur un stream. Même que Pomme l'a vu, je crois. Et je crois qu'il y avait Smichette. Bah Smichette est parti, mais il y avait Smichette qui m'a vu m'endormir, je crois. Je sais plus qui c'était. Hey, tu dors sur le chat. Sauf que bah ouais. Et ça se voit sur la vidéo, c'est marrant. Et voilà. Elle est là. On va faire comme tout à l'heure. On va rester là. Sérieux, Belkazi. Sérieux. Je ne mens jamais. Bon, allez. Oh. Non. Chester, sérieux quoi. Je suis dans le caca. Je suis dans le caca. Ah! Elle est là. Elle est là. Elle est là. Par contre, quand est-ce que je sais que Kiki s'est barré? Une idée? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Me dis que Kelty a oublié. J'ai oublié quoi? Oh, sérieux. Oh! Il y avait Chester, là! Ah, il me suit! Il me suit, cet enculé! Il me suit, cet enculé! Je t'y ressors bientôt, hein. Allez, on dit à la fin du prochain run. À la fin du prochain run. Je t'y ressors. Je rappelle qu'on est en mode giveaway. Tapez point d'exclamation RAFF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 
Je sais pas où elle est, Kiki. Je sais pas où elle est, Kiki. Je bouge pas, dans le doute, je bouge pas. Ouais, le Chester, il était à moitié buggé là, hein, je pense. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Kiki, sérieux, t'abuses. Kiki, t'abuses. Qui t'abuse? Kiki, t'abuse. Kiki, tu abuses grave. Ah, Kiki! Ah, le clown! Ça marche pas à cœur, t'as dû tromper du nombre de F. C'est 14 F ou 15, je sais plus. Ok. Oh, elle est là! Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance. On a de la chance, les gens, là. Oh, on a de la chance, là. Bouge pas, je bouge pas. Me balance pas un Chester, le jeu. Me balance pas de Chester. Non, 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 non. Non, non, non. Va bien. Va bien. Et mon chapeau porte chance. Ah! Ah! Salut, ça va? Oh non! Non, cheerleader, elle part pas quand tu changes de pièce. Pas tout le temps, en fait. Des fois, oui. Quand tu changes... Si tu laisses une pièce entre elles... Juste une seule pièce entre elle et là où tu vas. Là, elle va disparaître, en fait. Mais... À la fin de ce run-là, je tire. Je tire. Je tire. Un peu dégoûté, effectivement. Dégoûté. Ce jeu est frustrant. Ah, elle est où? Ah là là. Je sais pas. Ça fonctionne, ce bug-là? Ok. Je suis pas sûr que ça soit un bug, hein. Mais c'est pas la chaîne d'Elkino, en fait, ça fait un paquet de vidéos à regarder. Ah oui, j'ai tout archivé, Belkazi. Oh, elle est là. Cool. J'ai tout archivé sur ma chaîne YouTube. Donc, effectivement, il y en a beaucoup, putain, de Chester, de mes fesses. Ah, il revient de l'autre côté, putain. Chester, il bug, là, par contre. Chester, il bug. Merci, Pomme. C'est vrai que, bah voilà, voilà, les gens, vous avez... ceux qui me suivent pas encore sur Twitter, hein, sur Facebook, sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. Je suis assez actif. En général, Facebook, je fais un post par semaine. Twitter, je fais un post... Je fais, on va dire, un post par vidéo YouTube et un post par... ou deux posts, même, des fois. Ah ! Par... Fuck you ! Par stream. Et sur YouTube, j'archive tout. Ah, sérieux ! Oui, Chester bug, c'est celui que j'aime le moins. Mais Chester, là, il a bugué, mais pas à mon avantage, en fait. En fait, si tu si te poursuis dans le passage secret, waouh. Si te poursuis dans le passage secret, il va arriver de l'autre côté, en fait. Ce qui est très con. J'ai dit à la fin de ce run-là, on tire au sort. Vous avez encore quelques secondes pour taper point d'exclamation raffle. RAFFLE. Putain, elle est en dessous. Ah,
5. Je sais pas par où c'est par ici. Oh, elle est pas là, elle est pas là. Elle est pas là, elle est pas là. Elle est pas là, elle est où? Oh putain, c'est mort. C'est mort. La vidéo, si... tu es vile, Pomme. S'il faut trouver, si vous trouvez la vidéo tout seul, ça va être chaud. Ça va être chaud pour trouver la vidéo tout seul. Allez. C'est un petit indice. Je donne un gros. Bah, je laisse Pomme se débrouiller avec ses indices. Tiens. Allez. Hop. Flo, GG. GG à toi. Tu me diras, Flo. Tu nous diras à moi, à Pomme, il n'y a pas le feu, hein. Tu dis le jeu qui t'intéresse. Tiens, bah, on est retombé à 889 en fait. Tant pis. Prochain giveaway dans 11 followers, du coup. Il y a Emily qui a pas dû plaire à quelqu'un en fait. Tant pis. Alors, elle est pas là. Pas là non plus. Ça fait longtemps qu'elle est apparue dans le salon. Ça marche, Blacky. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé et repassé. Ça fait super plaisir. Bonne nuit et puis à la prochaine. Plugin, si tu veux le jeu plus what the fuck de la planète. Plugin Play, je te conseille sur si tu veux, hein, c'est un jeu, c'est... ouais, c'est un jeu what the fuck effectivement. Je l'ai fait Plugin Play d'ailleurs en vidéo offline d'ailleurs, je l'ai pas fait en live. Elle est sur YouTube aussi. Mon indice pour la vidéo, c'est une découverte. Ça fait que 56 vidéos à regarder. J'en ai fait que 56. Je crois que j'en ai fait plus. Oh putain. Non. J'ai pas encore mis fin au giveaway. Cœur. Oh. Oh, je me suis fait baiser. Ah non, elle est là. Emily est dans l'entrepôt. Vu que t'avais dit, ça marche, Flo, y a pas le feu, hein, y a pas le feu, t'inquiète. Ça se mérite à Easter Egg, d'une qualité supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quoi? Ah, oh, fuck. Pourquoi il est arrivé de là? Pourquoi il est arrivé de là? Pourquoi? 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 En plus, Flo, j'ai rajouté plein mal de jeux récents, hein. Enfin, de jeux récents. De jeux que j'ai eu récemment, plutôt. Il y en a des très très bons dans la liste. D'ailleurs, j'ai plus de place. Oh!
J'aime bien le regarder les. Les follow qui descendent après avoir fait un giveaway. Je suis trop chaud avec ça. Donc prochain giveaway dans 12 followers. Ah putain. Désolé, ma coffee que crash. Bah, c'est moi qui suis désolé, Atrox. Ciao, Atrox. Elle est là. Je fais comment là? Et ça marche, ouais. Bonne nuit à Trox, merci d'être resté aussi longtemps, ça fait plaisir. Et puis, prochaine. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent unfollow, hein, faites-le maintenant. Hein. Comme ça, ce sera fait. Désolé, je suis un peu aigri, c'est le jeu qui veut ça. Allez. Ah, sérieux? Et je fais comment? Je fais comment là? Je fais comment? Je peux plus rien faire. Je peux rien faire. Mais je sais bien, Pomme, t'inquiète. T'inquiète, je suis un peu sarcastique. Mais non, c'est un peu. Ouais. Bon, ce qu'ils veulent, les gens, après tout. Kilo KFC, Quick et McDo. Je suis Burger King, moi, en fait. C'est bête d'un follow et de faire Quick et McDo, pas profiter. Tout à fait, après c'est peut-être, il y a peut-être d'autres raisons. Oh mais putain ta mère. Il y a peut-être d'autres raisons pour sur au pourquoi ils ont un follow c'est peut-être n'importe quoi hein. Genre j'aime pas les gens masochistes qui jouent 2 heures de suite à Emily Wants to Play et qui arrivent pas en plus. Peut-être ça hein. Oh, la petite poupée. Il me faire une aide. C'est comme pour la question PS4 ou Xbox One en réponse le PC. Ah bah oui, oui bah oui oui. C'est gentil les gens, merci pour. Merci Michou. Non mais après, ça sert à rien d'en parler en fait. Ça sert à rien. C'est, j'aurais pas dû en parler. C'est je dis c'est le jeu qui veut ça. Qui me rend aigri. Bon, t'es où Emily, sérieux? Est-ce qu'il y a bien pu leur déplaire au point d'unfollow? Ah, elle est là. Eh ben, c'est souvent ce que je me demande, en fait. Si c'est pas des unfollow parce que... rapport avec le giveaway est fini, quoi. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on aimerait bien savoir, en fait. Pour pouvoir corriger, si c'est quelque chose que moi, je fais, par exemple. Mais bon, en fait, ça sert à rien de se prendre la tête, je pense. Il faut juste dire bah que c'est comme ça. Et puis... à mon avis. Sinon, sinon, on s'en sort pas, quoi. Dégage! Putain.
Ah là là. Ils ont eu peur qu'Emily vienne les réveiller la nuit. C'est bien possible, Chester. Bon, elle est en dessous là. Je crois que j'ai vu à peu près toutes les pièces. Putain. Les meilleurs restent, exactement, Flo. Exactement. C'est ça. En fait, c'est ce que je me dis aussi, c'est que bah, si quelqu'un aime pas, autant qu'il parte, quoi. Oh, sérieux, il est là. Si quelqu'un aime pas, autant qu'il annonce la couleur directe et qu'il reste pas, quoi. Ça, c'est clair. Il y a eu un follow de plus, mais pas eu la notif. Ah si, c'est 889, mais cœur, c'est peut-être quelqu'un qui a... Si c'est toi qui a un follow il y a genre... Il y a 10 minutes, et que t'as refollow maintenant, ça ne s'affiche pas, ça va pas te faire de notification, en fait. Il y a un délai sur Twitch Alert, pour éviter de spam, justement. Imagine, unfollow, on s'en sort plus, là. Ah putain. Il y en a qui est revenu, ouais. Oh fuck! Oh, je te suis pas depuis tes débuts, mais tu serais mieux que certains pour l'ambiance conviviale est là, donc c'est cool. Merci beaucoup, Flo. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments comme ça. J'essaye de pas rougir. Tu rattrapes le temps perdu via YouTube. C'est là pour ça. Là pour ça. Le YouTube, enfin, il y a pas de monétisation dessus, hein, puisque ça serait un peu débile déjà. Si je voulais faire de la monétisation, je suis dans la merde. Hein. Il faudrait que je fasse des vidéos beaucoup plus courtes. Que je fasse des jolis montages, etc. Mais j'ai pas le temps de faire ça. Peut-être un jour j'aurai. Je suis obligé de descendre. Hein. Je suis obligé de descendre. Je sais pas où elle est. Chier quoi. Oh, elle est là. Fuck. Oh non. Tiens, tu vois là, Kiki, je l'ai laissé. Bien ça, les déguisements pour lesquels tu restes pour les déguisements aussi. J'en ai pas fait beaucoup de déguisements. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté un casque comme ça en fait. Comme ça, je peux mettre des chapeaux. Ah là là. Un salon avec des canapés. Il manque un truc, un salon avec des canapés. Et un KFC gratuit, c'est le seul truc qui manque. Ah bah, il y a le canapé déjà. Le canapé, il est extensible. Inquiète. En fait, Belkazi, c'est pas un nombre de fois, en fait. A priori, il faut survivre assez longtemps, en fait. C'est pour ça que je tourne autour quand je la trouve. C'est ça que je tourne. Donc, mais on sait pas combien de temps c'est. Je crois que DJ Boucherie, il avait dit que c'était 5 minutes. 5 minutes, c'est long, quoi. J'ai vraiment l'impression de les avoir tapés les 5 minutes à certains moments quand même. Droit de poser une petite devinette? Bah tu peux Jeff, s'il y a rien de salace. Au contraire, règle de conduite. On est revenu en 890, je comprends. Bon bah. Ah sérieux? Non mais non! Mais comment je fais pour le sommet?
Moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici, là, qui s'est reconnu et qui avait un follow et qui a refollow. Je suis sûr. Et l'autre, c'est Cœur qui trollait, en fait. Mais ouais. Et bah, merci à nouveau aux deux fantômes qui avaient unfollow et qui ont refollow. J'en ai marre de ce jeu. J'en ai marre de ce jeu. J'en ai marre. Ah, putain. Il faut une si bonne connexion pour streamer. En fait, ce qu'il faut, Michoko, pour streamer, c'est qu'il faut une... Il faut... Il faut une connexion stable. Et un upload assez assez bon. Après, ça dépend combien tu vas envoyer. Bon, moi, par exemple, j'envoie du 2 MB. Tout simplement parce que si j'envoie plus, vu qu'il n'y a pas la sélection de qualité, il y a des gens qui pourront pas avoir le stream, en fait. Les gens qui ont une petite connect pourront vraiment pas le voir. Donc je stream en 2 mégas. Tu peux regarder les stats en fait. En bas à droite sur la petite roulette, tu peux faire show stats et tu vas voir en fait. Elle est là. Tu vas voir le débit. Tu vas voir que ça dépasse pas 2 mégas, 2 mégas 100, un truc comme ça. Et donc, faut pouvoir envoyer les 2 mégas. Mais de façon stable. Donc en général, les connexions, elles sont pas forcément ultra stables, les connexions grand public. Du coup, je dirais qu'il faut au moins 5 mégas d'upload pour être sûr, vu que ça va fluctuer, pour pouvoir pouvoir streamer correctement. Et après, le problème, c'est pas spécialement la connexion, c'est surtout le PC en fait. Faut un bon PC. Un PC en fait. Ouais, les jeux commencent à être de plus en plus gourmands niveau pros, là, et mon PC commence à être un peu à la rue. Oh non. Ouf, ouf. Quel est le point commun entre la viande et une femme? Charles tout le temps. C'est vrai que ça partait pas super bien, mais... Et qui 6 mecs en upload, ça passe pour le stream. Ah, 6 mecs, ça passe, ça devrait passer en théorie. Après, encore une fois, c'est la stabilité qui compte. Faut pas avoir de coupures. Si t'as des coupures, moi j'avais des micro-coupures au début. C'était super. Oh, fuck! Fuck! C'était super lourdingue. Parce que ça coupait le stream, même pendant un quart de seconde en fait. Ça coupait OBS et bah, les gens. Ouais, quoi. C'était mon modem qui merdait. Donc si t'arrives à garder ta connexion complètement stable, bah, y a aucun souci. Quoi. Un upload de 0,8 mm, mais si tu veux, il faut plus. Ouais, mais encore une fois, ça sert à rien, à mon avis, de dépasser 2000-2005. Parce que, déjà, il y a des gens qui pourront pas voir. Et en plus, Twitch va, tant que t'es pas partenaire, Twitch ne va pas vouloir que tu streames à plus de 3 mecs, je crois. Et va te nerfer automatiquement. Ouais, j'ai fait des tests dessus. Donc voilà. Mais après, une fois partenaire, tu peux envoyer du 4 mecs, c'est une bonne idée. Putain! Ah! Fuck! Oh non! Oh non! Putain, que j'ai dit un upload pour un truc correct. 5 gigas! Ouais, carrément. Ah, putain! Je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, j'étais juste à 1 cm, je pouvais plus bouger, quoi. La tristesse fugazi, exactement. La tristesse. Et après, aussi pour le stream, ce qui est important, c'est. Enfin.
qui est important. Ce que moi je trouve important, c'est la qualité du son. Et la webcam s'il y a quoi. Donc c'est pour ça que... Ah putain la petite conne. C'est pour ça que j'adore le fond vert en fait. Mais là ça devient plus compliqué parce qu'il faut vraiment de la bonne lumière pour ça. Après c'est une question de goût aussi. Hein. Il y a des streamers pros qui ont toujours pas de fond vert. Hein. Oh, 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 oh. Il arrivait pas où? Il va pas me le balancer devant quoi, c'est débile. Vous me faites pardonner pourquoi les hommes ressemblent à une brosse à dents? Je ne sais pas. Parce que Colgate. Dis-le un PC si tu joues trop d'heures d'affilée sur un jeu, ça fatigue. Est-ce que le PC fatigue ou est-ce que. Est-ce que moi je suis fatigué? Un PC. Alors. Je pourrais pas te dire. Je m'y connais pas assez. Je suis pas assez fort techniquement dans le hardware PC. Mais. Allez là, cool. Mais j'ai remarqué, quand même, que oui, un PC fatigue avec le temps, en fait. Pas spécialement parce que tu joues à un jeu particulièrement, mais les processeurs deviennent moins puissants avec le temps. Là, le mien, j'ai l'impression qu'il a... Là, je pouvais streamer dans une qualité particulière il y a quelques temps, et là, j'ai dû baisser, en fait. Après avoir joué à XCOM, j'ai l'impression que mon PC a pris un coup de vieux, quoi. Enfin, le pros, en tout cas. Après, ça s'encrasse, ça chauffe, c'est comme tout, quoi. Bon, bon. C'est plus de la persévérance, c'est de la folie. Je sais. Avec XCOM 2, si t'as pas un bon PC, il va pas aimer le temps. Ah bah voilà, c'est exactement... C'est là. Sans le manche, ils servent à rien. Lol, Jeff. C'est pardonné, c'est bon. Je vais la choper ou pas? Oh. Oh, ça va être tendu là. Ça va être tendu. Ça va être super tendu. C'est trop tendu. Casse-toi, Kiki, putain. Okay. Oh non, 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 non. Là, j'ai l'impression d'être revenu à un mois en arrière. Putain. Bon, si reste une demi-heure, les gens, je pense qu'il y en a pas, mais j'accepte les spoils. Allez là. Elle est là, je la vois. Enfin, elle est là. Elle est là. Elle est là. Je l'ai vu. Donc voilà. Si jamais il y a des spoils, j'accepte les spoils. Mais sur comment faire pour trouver ça, hein, pour arriver à ça. Bonne nuit Jeff, bonne nuit à toi, merci encore pour le follow, ta présence
Et puis amuse-toi bien sur Outlast. Ok, à la fin, il y a trois fins. D'accord. C'est pas ce genre de spoil que je voulais en fait. C'est pas grave, tu vois. C'est le spoil pour si jamais il y a une méthode pour y arriver, quoi. Alt F4 ou... Oh là là... Alt F4, tu vas devenir fou. On va remplir ta folie. T'inquiète. T'inquiète. J'ai dit qu'on arrêtait dans 30 minutes. On arrête dans 30 minutes. 28 minutes. Je pense que le jeu est buggé, cœur. Pas une console dans ce jeu pour taper slash cheat. Oh là là. Oh mais il arrive par là. Et franchement, c'est Chester qui me saoule le plus là. Chester qui me saoule. Il y a trop de Chester, tu trouves? Moi aussi, je trouve qu'il y a trop de Chester. Mais je pense pas qu'il soit bugué, je pense que c'est juste... C'est RNG Jesus qui m'aime pas, en fait. C'est un truc de fou. Chester, jamais vu autant. Bah t'as de la chance. Oh, oh, oh. Je vais dormir, je vais voir le cri du clown dans la tête avec elle qui bouge les bras pour pas bouger. Oh, oh, oh. Oh là là. Ah mais non mais... Merci. Marc. On va s'arrêter hein. Pas bouger autant. Ah oh, putain. Allez. Bouge pas putain. Elle est où Kiki? Elle est où Kiki? Elle est où Kiki? Parce qu'il y a Emily derrière. C'est quoi? C'est le point lumineux à gauche ou à droite? Ah putain! Je vais garder ça dans le cadre. Ah sérieux? Ok, ok. Non! Il spawn pas dans le noir, faut que j'allume les lumières. Sérieux? Mon perso de Chester, j'ai jamais vu autant. C'est le moyen, les mods. Ah, que dalle. Mais non! Putain, je le savais en plus. Cœur, je te déteste. Tu allumes la lumière, Emily arrive. Putain. GG le troll. GG, GG, GG.
villageur. Non, fais pas l'innocent, cœur. Fais pas l'innocent. Ça va très bien. Ma troll est à réussir. GG. Putain. Ah non, putain. Bien parti en plus. Si, là, s'il y a Chester qui arrive, je fais quoi? Je fais quoi? Je pars en courant, en marche arrière. C'est un jeu débile. Si t'allumes la lumière dans les salles où il n'y a pas Emilia, viens aussi. Ouais, 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 ouais. Si recommencer au début. Ah, ça serait trop simple. Le début, vu comme ça, là, maintenant, il est simple, en fait. Allez, deux d'affilée, quoi. Et c'est marrant parce que la dernière fois, il y avait DJ Boucherie qui disait... Oh putain, elle spawn pas dans la cuisine, dans la salle de bain. Mais si, si. Si, elle spawn dans la salle de bain. Ah. Oh, sérieux? Ok. Oh! Non! Oh non! Ah, elle est où? Ah, elle est là. Voilà, voilà, vicieuse. Vicieuse Kiki. Tiens, c'est pas super drôle en fait. J'imagine que tu veux être comique, mais en fait, c'est pas drôle. Du coup, tant que tu le regardes et qu'il tourne de dos, tu peux bouger. Non. Je pense pas à Flo. Non, non. Tant que tu le regardes et qu'il te tourne le dos... Non. Non, faut pas bouger du tout. C'est Kiki, tu peux bouger tant que tu la regardes. Ensemble. Si c'est une autre tentative de troll, ça marchera pas. Oh, j'en ai eu deux d'un coup. Merde. Oh, concentré. Elle est plus là. On va passer vers salle de bain, chambre. Allez, Kiki. Attends. C'est pas là. Mmh.
Par où il est arrivé? Et le jeu, tu me le dis si tu veux pas que je bouge, hein. Ça sera plus simple en fait. Tout le monde fatigue, ouais, probablement. Je voulais te dire que... Putain! Aucun mode existe, non mais je sais bien, je m'en fous. Je m'en fous, tu arrives. Dégage, dégage, dégage! C'est juste que c'est vrai que c'est pas amusant. Je pense que je vais m'avouer vaincu parce que c'est quand même... franchement... 6 heures sur cette dernière phase, quoi. 6 heures. Merci, Pomme. C'est vrai que c'est un peu lourdingue. C'est pour ça que je voulais pas faire ça en première partie de soirée non plus, quoi. Je sais pas. Peut-être demain en ninja. Demain en ninja, on va continuer, parce que là, j'ai pas l'impression que... Ça passe, en fait, hein. Oh putain. Ah, je la regarde pas. Ah, bon, si. Ah, bah. Je capte pas ce que je faisais la dernière fois si je faisais. Changer de pièce en pièce et. C'était quoi, Pomme, ce que je faisais la dernière fois? Je gardais Kiki tout le temps loin. Et elle est là. Je me balade de pièce en pièce. Moi, je sais plus où elle est, là. La dernière fois, tu te demandais quand il y avait Kiki, d'accord. Après, ça manque plus qu'une bonne partie d'XCOM 2 pour se détendre. Ah, oh, putain. Mais lâche-moi! Mais il va pas me courser sur 4 pièces, quoi!
Je vois pas ce que je fais vraiment de mal. C'est ça qui m'énerve. Vous avez vu? Ce Fofi. Le vieux bug. Vous avez vu la même chose que moi, hein. Je sais pas où elle est partie. Ah putain, Kiki. Rien de mal, c'est du hasard, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça qui est énervant en fait. C'est ça qui est énervant. Mais si. Oh, sérieux? Oh non. Je suis descendu. Comme ça, on peut voir qu'elle est pas là. Oh là là. Pourquoi est-ce qu'elle est venue là? Personne n'a de maison de construction dans son cimetière. Non, par contre, j'ai un cimetière en face de la route en fait. Juste en face de chez moi, j'ai vu sur un cimetière en fait. Le cimetière, c'est cool, c'est paisible. Tu te fais jamais déranger dans un cimetière. Autant par les vivants que par les morts. Oui, Flo. C'est la toute dernière heure et ça fait 6 heures qu'on est dessus. 2 heures aujourd'hui, 4 heures la dernière fois, je crois. Elle est là. Maison de l'ancien presbytère, elle habitait les tuerie, elle avait sa chambre à l'endroit où elle est née aujourd'hui et la dernière résidente est morte dans son lit. Ah, c'est cool ça! T'as des beaux rêves? Ah, cimetière, c'est pas mal quand même. Là, c'est pas mal. Tu dois faire de beaux rêves. Skinet était plutôt mal placé si ça part en The Walking Dead. What? Bouge pas. Tu vois, tu serais pas un tout petit peu têtu. D'où? Genre? Pourquoi? What the fuck? Fuck you, game. Fuck you. Deep in the ass.
Ah oui, je suis plutôt mal placé, ça part en Walking Dead. Oui, effectivement, Cœur Leader, t'as raison. T'as fait. Je vais pas. Allez là. Je pense que le plus chiant c'est pas Kiki, mais alors là, je suis tout à fait d'accord. Les gens, je vais faire les dernières minutes en silence. C'est de concentrer. You
Ok, putain, saoule. La 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 la, ce jeu est une bouse. Pourquoi je peux pas bouger? Pourquoi je peux pas bouger? Pourquoi je peux pas bouger? Bon. Bonne nuit Belkazi, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. J'essaie d'imaginer ce que devrait ce jeu sur l'Oculus Rift, j'avoue. Là on a plus loin du livreur de pizza, ouais. Pas beaucoup pourquoi le jeu, André t'a dit qu'il faut allumer la lumière si ça sert à rien. En fait c'est avant Mini Blaireau et t'as pas de lampe torche au début en fait. T'as pas de lampe torche, il faut laisser les pièces allumées en fait. Ciao Belkazi, bonne nuit. Bon courage, j'avais dit que j'arrêterais il y a 3 minutes en fait.
Mais ça me saoule. Ça me saoule. Alors là, je me pète les couilles aussi, en fait. On peut pas passer, quoi. C'est un truc de ouf. Pourquoi? Pourquoi ils ont pas au moins mis passé le truc? On a compris qu'il était 6h. Hein. Ou 5h. Non mais y a pas de soucis Twista. Moi il faut que j'y aille aussi hein. Tu sais je me lève dans là je me lève dans 7h là. Dans 7h et en plus j'ai du mal à tenir au taf en ce moment donc c'est pas sérieux, il faut que j'y aille aussi quoi. Et ce jeu quoi. Ta jante d'âme, elle s'y tu risques d'avoir besoin d'allumer. C'est sûr, elle fait probablement. Tu admires ma patience, merci, Kia. Je suis assez persévérant comme garçon. En plus, ça doit être pitoyable à regarder au bout d'un moment. Vous devez vous lasser grave, les gens. Donc, dernier run. Dernier run. Allez. Dernier run. Et je sais pas, je le ferai. Je le ferai offline, je pense. Faire offline. Je vois que ça, hein. Bonne peluche, Twista. On a regardé partout, hein. Il doit être en bas, en fait. Elle est pas là. Abusé. Abusé. Mais elle est où alors? Mais elle est où? Oh salut, ça va? Putain, elle est où? Allez là. C'est in extremis. Tu as des articles, bonne nuit à toi. Faites de beaux rêves les gens qui s'en vont, merci d'être restés jusqu'à pas d'heure. Je vais tenter de faire un ninja demain. Ce sera soit sur ça, si je suis trop vénère, soit sur Inverbis Virtus. On verra. On verra. Si je tombe là en plus, je peux pas remonter quoi. Donc si j'entends un Chester, il faut que je... Voilà. Sérieux. Sérieux. Voilà, ça c'est la... C'est la... C'est la goutte qui fait déborder le chaudron là. C'est... Je... Ce jeu, je le couchis. Voilà. Hop.